La raclette, s'écrivant R-A-C-L-E-2-T-E, est le deuxième plat préféré des Français, juste après le poulet frites selon femmeactuelle.fr. Elle s'avère être une recette traditionnelle et emblématique de la cuisine suisse. Miam! Consistant à faire fondre du fromage et à le racler au fur et à mesure qu'il fond, elle s'accompagne de pommes de terre en robe des champs et de légumes comme les savoureux cornichons. De plus, nous la mangeons souvent avec de la charcuterie, telle le jambon blanc, la copa, le bacon, la rosette, le jambon de Parme, le speck, le chorizo, le salami, l'andouille, le boudin noir ou encore les lardons. Oh oui, c'est bon les lardons. Niveau boisson, un vin blanc pas trop sec ou un vin rouge pas trop tannique se marie très bien avec tout cela. Glou, glou, c'est excellent. Quand ces éléments sont réunis, chaque coup de fourchette est une symphonie de goût, une véritable danse de saveurs qui transporte vos sens dans un tourbillon de délices. Je suis en extase. Clète, c'est bien plus qu'un simple repas. C'est une expérience sociale et culinaire qui éveille les sens et crée des souvenirs gourmands et inoubliables. Mais je crois que notre dernière invitée vient d'arriver. Wesh l'équipe, soirée raclette ce soir, de la Banks. Hey, bonsoir. Hey, salut toi, t'as une petite mine, tu t'es fait quitter Non, c'était juste pas drôle, mec. Ouais. Par contre, moi je me suis fait quitter, ouais. Putain, oh, mais ce qui me chute. Ça va? T'inquiète pas, ça va aller. C'est ce qu'il me disait tout le temps, ouais. On m'a compris. Hey. Yo. Je t'ai cassé! Hey. Rémi? Ouais. Je savais. Salut! Ah. Bon, je suis désolé, hein, je pensais que c'était 21h. Enfin, on a dit 20h pour le groupe, donc. C'est ton côté fantasque. Mon ex aussi, il était fantasque. Putain, bon, on peut juste commencer à manger là, s'il vous plaît, j'ai hyper faim. Je déclare la saison des raclettes ouverte! Ça parce que c'est super cancérigène, parce que là t'as du glofotéraful, c'est horrible. Voilà. Bon, on est venu ici pour se remonter le moral après ce mois déprimant. Donc ouais, je propose de commencer. Tiens, c'est pour toi. Mais meuf, les révisions c'est fini là. Mais enfin, c'était pour le secret de Santa, quoi. Enfin, ouais, non mais oui. Ouais. Non mais sérieusement les gars, enfin, vous avez tous oublié. Mais ça va, on avait dit 10 euros, là je vois que ça coûte que 3 euros, on me la fait pas comme ça moi. Enfin, sérieusement les gars? Enfin... Oh oh! Joyeux Noël! Yes! Non mais ben, c'est une blague. Vous avez tous oublié, il y a moi qui me souviens du secret de Santa. C'est bon moi. Bande de bâtards! Ouais. Mais c'est pas important, tu sais, ça fait seulement 10 ans que j'en fais ça. Mon téléphone, wesh! Prends mon téléphone, wesh! Ah mais c'est dégueulasse ça! On peut passer à autre chose. On fera le secret de Santa une prochaine fois, ok? Est-ce que vous voulez écouter ma dernière chanson? Non. Pas trop, mais si ça perd, je veux bien. Ah oui. Il est trop chaud. Wise men say only fools rush in.
Fromage.